Bon matin, il est rendu. Ah, je suis fatiguée. Il est 8h30. Je me suis fait un bon café là, pour relaxer un petit peu. Adeline est juste ici. Coucou! C'est qui ça? Fait que c'est ça, on a déjeuné puis tout là. Adeline s'est réveillée quand même assez tard, vers 7h30. Fait que c'était vraiment nice. C'est qui ça? Fait que ça, on a pris le temps de déjeuner, on a fait toutes nos petites affaires, puis là, je me suis fait mon premier café. Puis là, ça me tentait vraiment de regarder la télé relaxée. Je file vraiment mollo, j'ai comme un mal de tête. Fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe. Hein. Puis c'est ça, aujourd'hui, c'est la journée qu'Adeline a se fait enlever son plâtre. Right? Fait que là, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Je pense que je vais lui faire prendre son bain ce matin. Oui, mais je pense qu'on va attendre. Puis quand je vais lui faire prendre son bain en revenant du rendez-vous, comme ça, je vais pouvoir lui laver sa jambe. Right? Fait que ma tête, ça va être un déjeuner là, bien normal. J'ai encore oublié de lui mettre du beurre de peanut dans ses céréales. Je suis tellement comme pas là le matin. En tout cas. Fait que c'est ça. Hein, c'est qui ça? Fait que c'est ça les plans pour aujourd'hui. Avant ça, on s'en va. C'est ma mère qui va venir avec moi aujourd'hui. Puis, on va aller au Canadian Tire. Parce que là, j'ai fait une petite recherche sur Internet. Puis... The Home, si je vous avais dit que The Home Edit, en tout cas, il faisait des produits, je pense, d'organisation. Je m'en rappelle plus si vous en avez parlé. Bref, tu sais, si vous les suivez, vous le savez, là. Puis là, Canadian Tire vendent leurs produits. Fait que je suis vraiment contente. On va aller faire un petit tour. On va essayer d'organiser une coupe d'affaires avec les produits. Elle aime ça se regarder. Allô! Fait que c'est ça, on va aller voir, j'ai vu les mesures de mes étagères et tout, fait qu'on va aller voir qu'est-ce que Canadian Tire peut nous offrir. Avant ça, par contre, non, c'est vrai, j'avais changé d'idée en fin de compte. Oui, en fin de compte, je voulais aller chez Winners, ben HomeSense, là, au 10-30, vu qu'on va être juste là. Puis je voulais voir des trucs d'organisation, parce que les prix risquent d'être un peu mieux chez Winners, parce que Canadian Tire, il n'y a pas de vente présentement, puis les choses sont pas données. C'est qui ça? Donc, c'est ça. Alors, Winners HomeSense, définitivement aujourd'hui, peut-être Canadian Tire, peut-être Tommy, on va voir. Où est-ce que tout ça va nous mener? Tu veux? Ouais, t'aimes ça la caméra aujourd'hui? Oh! Oh! Et boing! Ok, c'est ça. Quand Adeline va faire sa sieste comme du matin, ben moi je vais aller me préparer, là, faire mes cheveux, mon make-up. Coucou! Puis, ben c'est ça, Adeline, j'ai fait son lavage hier, là, fait que tout son linge plâtre est propre. Un bec. Mouah. Un petit bec. Fait que c'est ça, je vous laisse, on s'en parle tantôt. Salut, il est comme midi et demi. Je me suis réveillée d'une sieste, voilà, 5 minutes. Et je ne suis trop pas prête. Je n'ai absolument rien de fait. J'ai jamais été aussi en retard de toute ma vie, je pense. Ma mère, supposée être d'ici à 1h, elle est partie de la maison, là, déjà. Là. Et moi, si vous me connaissez, j'haïs faire attendre le monde. C'est surtout quand ils me font une faveur, comme de venir me chercher. Hein. Fait que là, Adeline aussi, elle vient de se réveiller. Dans le fond, c'est elle qui m'a réveillée. Parce qu'elle se parlait dans le lit, puis je l'entendais. Fait que là, je la fais manger pendant que moi, mon fer à cheveux est en train de se réchauffer. Puis je vais juste me faire quelques frisettes vraiment vite. Mais je veux quand même... Je veux quand même me préparer un peu.
Au pire, si mes cheveux sont faits puis mon make-up est pas fait, je vais me sentir mieux, tu sais. Mais c'est ça. J'ai jamais été aussi en retard de ma vie. Fait que là, on a comme 20 ouais. minutes top chrono. Il y a un petit peu de trafic, là, fait que ça me sauve un peu la vie. Moi, faut que je mange. J'ai rien mangé, j'ai juste déjeuné. Mais je me dis, au pire, c'est pas bien grave, je vais m'apporter des collations, puis j'ai un genre de café Starbucks, là, comme déjà fait dans le fridge. Fait qu'au pire, je m'apporterai ça. Ce matin, ben, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'avais un méchant mal de... C'est-tu bon? Méchant mal de tête. Fait que c'est pour ça que j'étais allée m'étendre comme après avoir endormi Adeline. Wow! Je t'ai manqué, hein? Oups-là-y! J'ai complètement manqué. Fait que c'est ça. Fait que j'étais morte. J'avais mal comme tout ici, là. Fait que je me suis pris comme des tinellol que là, je vais être due dans pas long pour en reprendre. Je pense que je vais reprendre des tinellol comme quand on était malade, là. Des tinellol sinus. Parce que je me sens encore comme toute pognée. Fait qu'en tout cas, c'est ça que je vais faire. Au pire, je vais les emmener puis je vais les prendre sur la route. C'est ça. Là, mon but, c'est de me faire une petite face de make-up. Mais ça va être la dernière chose que je fais si j'ai le temps. Ma priorité, c'est vraiment Adeline, son sac à couche. Moi, pour comme des collations, c'est comme pacter qu'est-ce qu'on a besoin pour partir. Techniquement, on pourrait partir plus tard parce que notre rendez-vous est juste à 4h15. Mais ma puis moi, c'est ça, on s'est dit qu'on allait faire des commissions. Fait que je veux vraiment pas comme changer nos plans juste parce que je me suis levée en retard. Puis là, oui, la porte de garage. Hier, j'ai fait faire une deuxième manette pour la porte de garage. Mais Chanka a pas pris son auto aujourd'hui. Fait que ma, faut encore qu'elle soit comme. Si je suis en retard, ma, faut juste qu'elle m'attende dans la rue. Fait que c'est pas le fun. Fait que c'est pour ça que j'essaie de me grouiller, là. Alors, voilà le petit update. Je vous repars tantôt, là, puis je vous dirai des updates de si j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. Il est rendu 12h50, donc un petit 20 minutes très productif. Mes cheveux sont faits, j'ai eu le temps de me faire une face aussi. Là, je me suis fait dégeler bien vite, là, quelques muffins que j'avais dans le congélo parce que je n'ai absolument rien à manger comme de consistant. Puis ça, c'était des muffins au son. Puis je sais pas si vous voyez, là, mais je tremble parce que j'ai tellement faim. Fait qu'il fallait absolument que je mange avant de partir, là. Il y en avait comme... Je sais comment je suis quand je mange pas, puis c'est comme pas vivable, là. Fait que là, Adeline aussi, elle mange un petit biscuit. Elle est juste là. Fait que c'est ça, elle a pu tout manger, là. Elle a gobé son dîner. D'après moi, elle aussi, elle avait comme vraiment faim. Fait que c'est ça. Je vais manger ça. Puis ma, elle est peut-être 10-15 minutes, là. Elle va arriver dans 10-15 minutes. Mais elle m'appelle toujours quand elle est rendue comme à un certain point. C'est-tu bon, le biscuit? Fait que là, son sac est préparé tout. J'ai juste comme à la mettre dans son suit de printemps. Puis we're ready to go! Oui! Fait que c'est ça. Je vous reparle tantôt. Je vais essayer de vous filmer des petits clips là, de HomeSense puis tout des trouvailles que j'ai achetées. Mais sinon, c'est sûr que je vous montre tout en détail là, quand on revient ici. Fait que à tantôt! Les derniers moments de l'élément plâtre. Bye bye! On dit bye bye le plâtre! Bye bye! Tu vas être libre après! T'es libre! T'es libre, mon amour! Elle bouge un petit pied depuis tantôt. C'est l'heure des radiographies. Hi! Comment qu'on se sent, pas de plâtre? Hein? Comment qu'on se sent, pas de plâtre? Oh! Elle va avoir un peu de la misère à garder son équilibre parce que j'ai remarqué qu'elle utilisait beaucoup son...
sont plates là pour se tenir assis. C'est mamie qui est en train d'arriver. C'est qui ça? C'est mamie? Tu veux-tu voir le poisson? Check! Va voir le poisson! Ben oui! Yay! C'est beau, ma chouette! Il est 6h30, on vient de revenir à la maison. Adeline n'a plus de plâtre, comme je vous l'ai montré avant. Là, elle a un peu de la misère comme à le plier, puis le docteur a dit qu'elle va être faible de cette jambe-là pendant un bout, mais ça va prendre, il dit, là, pas plus qu'une semaine, deux semaines, ça devrait comme revenir comme un peu à la normale, là, mais tu sais, il a aussi dit... Check après un mois, ça devrait être correct. Si après un mois, il y a de quoi, il faut retourner en clinique, mais bon, on ne pensera pas à ça tout de suite. Fait que là, je suis excitée de vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je vais commencer par Winners. Fait que là, je me suis acheté deux pillowcases ici, là, parce que c'est comme des super standards. Là, elle bouge comme si elle avait le plâtre. Ah oui, elle met ça. Il n'y a plus de ballon, moi je suis pas. C'est ça. À part son ballon parce que son plâtre était vraiment lourd avant. Ouais, ben, ça va être une couple de journées avant qu'elle se remette à la norme. Bon, c'est fait que c'est ça, deux très simples blanches. Parce que là, on n'en avait plus. Après ça, ça c'est une petite trouvaille au Winners. Je vais voir si ça me fait. Si ça me fait pas, c'est pas grave, je vais le retourner. Là, j'avais pas le goût d'essayer là. C'est un petit romper de même en jeans. Je me dis, s'il fait bien, il va vraiment bien faire. De toute beauté. Puis, s'il fait pas, ben, il fera juste pas. Puis, ça va être ça. Je vais aller retourner. Mon cœur ne sera pas brisé. Puis, ensuite, Ma s'est acheté plein d'affaires aussi, mais là, je montrerai pas. C'est correct. Ouais, c'est plus des trucs de sport. En tout cas, on va faire un try-on tantôt. J'ai trouvé des belles serviettes de plage, là, comme vraiment grandes. Ils étaient 17$ chaque. Je voulais essayer d'aller au Club Price, comme je vous dis, mais apparemment, ma mère me dit que les dernières qu'elle a vues n'étaient pas aussi grandes. Fait que c'est un peu dommage. Ça, je les ai vues, sont vraiment grandes. Puis c'était quand même des beaux prints, là. Fait que on va y aller avec ça. Ensuite, au Winners. Ça, c'est des trucs à main. Ça, c'est chez Winners. C'est un habit en rose, mais c'est Winners. Donc, chez Winners, je me suis pris des trucs ici pour organiser le garde-manger. Donc, ça ici était 13$. Puis, c'est tout en quand même bonne qualité. Là. Ils ont l'air assez robustes. Fait que ça, c'était 13. Puis, comme en long, mince. Ensuite, j'en ai pris un ici qui est comme un peu plus gros. Lui, il était pas aussi cher. Ouais, il est plus gros, il était 10$. Je vais voir si je le garde. T'sais, je me suis acheté plein de choses parce qu'on sait comment Winners ça fonctionne. Si tu l'achètes pas tout de suite, tu vas être déçu après quand tu vas y retourner. Fait que j'ai tout acheté ce que je pensais vouloir. Puis je vais gérer les retours après là, au besoin. J'ai acheté 6 huiles ici avec les 3 compartiments. Je trouvais que ça allait être cool pour comme les mix de sauce, le riz Uncle Ben's là, dans des petites pochettes. Celle-là, il était 10$ aussi. Puis lui, il est fait solide. Fait que je suis bien contente. Le dernier, c'est un autre quand même fait sur le long, là. Comme ça ici, à 6$ celui-là. Mais c'est ça, il est comme plus long que l'autre. Fait que je vais voir encore une fois, puis il est moins haut que l'autre. Je vais voir que j'ai besoin, puis je ferai le tri après. Après Winners Home Sense, on est allé au Canadian Tire parce que c'est là que j'ai trouvé que The Home Edit vendait leur. Leur collection. Elle est debout! Yay! Yeah! Adeline s'est mise debout! Elle s'est assise. 2 secondes, mais on va le prendre pareil. Oui. Fait que c'est ça. Là, ça, c'est vraiment comme des plus gros morceaux un peu plus spécialisés. Donc, j'ai un gros bac ici avec un séparateur amovible. Ça aussi, c'est de Home Edit. Puis c'est ça. Faut juste check là. Ça va faire exactement la profondeur de mon garde-manger. Donc, j'en ai 2 comme ça. Eux autres, je vous mentirais pas, ils étaient un peu plus chers. Si je me trompe pas, j'ai pas la facture, mais c'était au moins 21$ pour un. Ouais. Puis les autres, c'est comme des petits tiroirs.
j'en ai pris deux comme ça. Puis sont vraiment, tu peux les stacker. Puis là, attendez, je vais vous montrer ça. Ils sont comme tapés. Hein. Celle-là, il est plus tapé. Fait que c'est vraiment comme un tiroir comme ça. Oups. Fait que je trouvais ça avec un séparateur dans le milieu. Fait que je trouvais ça parfait pour les collations. Fait que c'est ça. D'après mes calculs, mais là on va voir en vraie vie, je pourrais les mettre un par-dessus l'autre puis mettre des snacks dedans. Fait que je suis bien bien excitée de tout essayer ça. C'est sûr que je m'en rendrai pas à soir parce que comme je vous dis, avec le mal de tête que j'ai eu, puis ça a tellement été long à la clinique, là, juste attendre pour les x-rays. Fait que bref. Je suis un peu... je dirais pas l'expression parce que c'est pas... c'est pas très viewer friendly, mais c'est ça. J'ai... T'es brûlée. Hein? T'es brûlée. Je suis brûlée. J'ai le trou de bip en dessous du bras. c'est ça qu'on va dire. Fait que là, ma Anza Gâté est allée me chercher du béni pour souper. Fait que c'est ça qu'on va manger. Là, Chanaka, elle devrait être ici dans 1h30. Fait que c'est ça. Je vais faire manger Adeline. Je vais probablement y faire un coco là, avec un yogourt parce que pour qu'elle aille comme quelque chose de consistant. Puis, on va manger. Moi, au Benny, cette fois-ci, j'ai pris un... C'était quoi? C'était un wrap filet croustillant. Ouais. Avec une rondelle d'oignon. Fait que... fait que c'est ça. Je vais vous filmer d'autres bouts d'Adeline. Salut! Il est 8h. Ma, elle a gentiment accepté là, d'aller... donner le lait à Adeline puis aller l'endormir. J'ai fait un gros bain de crème là, à Adeline là, sur sa jambe pour que tout le plus possible de crème pénètre dans sa peau parce que c'est super, super sèche. Puis là, je vois qu'elle est un peu comme craintive quand on, mettons qu'on vient pour changer la couche puis qu'on touche à sa jambe, mais t'sais, c'est tout normal, je veux dire. Elle s'est vraiment fait mal, t'sais. C'était cassé le tibia, c'est pas rien. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai fail mon vintage challenge. Mais c'est correct parce que je vais vous tourner comme ça. Là. Mais tu sais, je vous parlais de cette grosse pile-là ici. Là. Ça, c'est ce que j'ai à faire. Fait qu'au pire, demain, je me prendrai genre une demi-heure puis je ferai le plus possible que je peux. Donc c'est ça, je vais vous retourner de bord tantôt là, quand je vais avoir terminé puis après que je vous ai conclu pour vous montrer ce que j'ai eu le temps de faire dans mon garde-manger. Très très rapide là, parce que je veux pas réveiller Adeline, je veux pas parler fort proche de sa chambre. Mais c'est ça, j'aime vraiment vraiment beaucoup trop les produits là, de l'équipe de Home Edit, là. C'est vraiment cool. Comme je dis, ils vendent ça au Canadian Tire. Les trucs sont pas donnés, là. Je pense que ça m'a coûté une centaine de... Ça m'a tu... Grosso modo, là, c'était peut-être 20$. 20 à 30$ par item. Mais je me rappelle plus quel qui était quoi. Je suis vraiment désolée, je suis poche. La facture est loin. Si je pense demain, je vais vous le montrer, là, je vais vous dire, mais c'est ça, c'est 20 à 30$ par item. La seule affaire, là, que si vous y allez, checkez que les tous les séparateurs ils soient là, premièrement, parce que moi, quand j'étais allée, il y a des séparateurs qui manquaient, même s'ils sont comme collés, on dirait qu'ils... En tout cas, checkez que les séparateurs, ils sont là, s'il y a des séparateurs dans ce que vous achetez. Et deuxième tip... Regardez si le tiroir glisse bien. Eux autres, ils mettent du tape là, pour retourner le tiroir pour dire que c'est une unité. Mais enlevez le tape puis essayez de glisser le tiroir. Parce que j'ai une unité que j'ai achetée que le tiroir ne fonctionne vraiment pas bien. Là, moi, j'ai comme pas tenté de quoi. Là, j'ai pu figurer de quoi pour qu'il fonctionne bien. Dans le fond, j'ai enlevé la base de sur lequel le tiroir est supposé glisser. Fait que ça me donne plus d'espace en haut. Mais tu sais, il fallait quand même que je patente de quoi. Là. Fait que c'est comme plate de payer ces prix-là quand il faut patenter. Là. Fait que portez bien attention à ça si vous en achetez. Puis là, j'ai un peu ramagné ça un peu n'importe comment parce que j'ai vraiment fait ça vite. Mais j'adore leurs produits. Donc, c'est ça. Et pour revenir aussi avec un autre achat, j'ai essayé mon petit kit en jeans du Winners. Je suis vraiment déçue parce qu'il fait pas, malheureusement. Ben, tu sais, je rentre dedans, mais je peux pas zipper en arrière au complet.
puis c'est comme beaucoup trop, tu sais, c'est serré, là. Je peux pas vivre avant, mais tu sais, XL, là, je pense que ça serait vraiment, vraiment cute, parce que le short, il est comme juste une belle longueur, puis ça fait vraiment habillé, tu sais, genre avec une belle veste, ça peut être vraiment... puis avec un beau collier de couleur, là, ça peut vraiment être cool, tu sais, comme outfit. Fait que je suis un peu déçue. Fait que peut-être que je vais pouvoir... je vais aller voir un autre winners pour le retourner, c'est sûr. Puis peut-être que je vais aller prendre la chance pour aller voir s'il y en a dans le T-Rack. Mais c'est ça, le support était marqué XL. C'est une erreur de débutante, là. Pourtant, je suis trop pas débutante avec winners, mais je vous dis, ça fait vraiment longtemps que je peux compter... Je suis même pas allée 10 fois depuis la COVID, là. Puis avant, j'y allais comme quasiment 2-3 fois par semaine. Fait que c'est comme un méchant changement. J'ai comme oublié les règles winners. Donc, c'est ça. Le cintre était marqué XL, mais le vêtement en soi, c'est un large. Donc, c'est sûr, ça fait pas, là. Fait que c'est ça, je l'ai gardé pour en souvenir. Il était comme 35-36 $, là. Fait que je vais aller le retourner, je vais récupérer mon argent. Puis, ben c'est ça. Fait que sur ça, je vous laisse. Je vais voir qu'est-ce que je vous filme dans les prochains jours. Peut-être demain, vu que ça va être la première vraie journée sans plâtre là, pour Adeline. On va voir comment elle se sent. Mais sinon, ça va être une journée là, bien chill à la maison. Fait que ça se peut que je gosse sur mes trucs là, d'organisation, mais ça va être bien relax. Aujourd'hui, comme je vous dis, j'étais épuisée. Là, fait que j'ai hâte d'aller faire dodo. Chanaka va arriver avec des trucs du club pêche. Je vais essayer de vous filmer ça demain, par exemple, parce que ce soir, je suis vraiment, vraiment fatiguée. Puis, c'est sûr, je vais aller prendre une petite douche là avant de me coucher. Donc, c'est ça. Sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Je vais vous montrer des petits clips là, de mon garde-manger, comment il est emmanché maintenant. Puis, le prenez pas en compte, là, parce que les containers sont là, mais il y a encore les étiquettes, parce que je voulais faire un... Je voulais vraiment voir comment le stock fitait avant d'enlever les étiquettes, parce que je voulais voir si j'allais retourner des trucs. Bref, bonne nuit, bonne journée, puis je vous filme des petits bouts, puis on se revoit dans un prochain vlog. Bye bye!